Christophe Martureau, j'ai 55 ans, je roule avec mon épouse Margot depuis 4 ans maintenant, en sidecar avec un BMW châssis d'agresseur, 930 cm3. Très sécurisant de courir en compétition parce que l'esprit n'est pas du tout le même qu'en démonstration. Hein. On se respecte beaucoup plus en compétition qu'en démonstration, c'est un peu la foire d'empoigne. Il fallait définir un peu ce qu'ils voulaient tous, hein, tous les pilotes et copilotes du VMA. Qu'est-ce que tu dirais ? C'est l'ambiance, hein, l'entraide, la solidarité. C'est le tout, c'est tout ce qui tourne autour du sidecar. On se voit pas pendant un an, on se retrouve là et c'est comme si on s'était quitté la veille, quoi. C'est un sidecar, c'est pas une moto, c'est pas une voiture, c'est un truc bien spécifique, c'est un sidecar, c'est un truc à part entière. C'est le seul sport mécanique qui se pilote à deux. Hein, si le passager n'est pas à sa place, on peut pas tourner, on peut pas rouler. Hein, il faut que le passager se positionne au bon moment, à la bonne place, et ça c'est vital, quoi. C'est un truc. Donc ta passagère, c'est qui ? Eh ben, c'est ma femme depuis 30 ans. Et j'arrive pas à m'en séparer, donc j'essaye le sidecar, mais j'y arrive pas non plus. Elle s'accroche. Non, ça représente quand même beaucoup, mais on fait que ça. En loisir, c'est notre loisir toute l'année. On va dire, allez, on va donner une fourchette entre 5 000 et 15 000 euros par an. Moi, je souhaite à beaucoup de couples de partager ce genre de choses. Et puis, c'est une confiance, c'est confiance mutuelle. Quand elle monte sur la planche, elle me fait confiance. Et moi, je lui fais confiance, d'autant plus que, bon, je sais que dans les virages, il faut qu'elle soit à la bonne position, à la bonne place, au bon moment. Quand on est à se toucher avec des sidecars, elle sait que, en cas de freinage, il faut qu'elle se cramponne. Ah, nos enfants, ils sont fiers de nous, ils trouvent qu'ils ont des parents un peu rock'n'roll. Un peu rock'n'roll, oui. Parce que pour faire ce genre de truc, il faut être un peu... Ils nous trouvent un peu fous de faire ça, mais ils sont fiers, ils sont contents pour nous.